Hello tout le monde, c'est Super Brioche et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de notre let's play sur Luigi's Mansion. Eh oui, Luigi appelle toujours Mario, on est toujours à la recherche de ce pauvre Mario, toujours enfermé dans un tableau. Donc, on en était là, on avait libéré une dernière salle là-haut, enfin, on avait la clé pour la dernière salle du moins. Mais avant cela, il faut qu'on récapitule les bouts qu'il nous manque. Il nous reste 45, il nous reste 5. Donc on va faire ça, je sais qu'il en reste deux à la cave, j'ai vérifié où ils étaient à peu près. J'aimerais bien récupérer des cœurs par contre, évidemment non. Donc il nous reste les plus pénibles hein, je pense, ceux qui ont 300 000 points de vie là, qui n'arrêtent pas de changer de pièce. Alors, il me semble qu'il y en a un ici. Voilà, alors où te caches-tu mon petit bout? Je sais pas combien de fois on l'a attaqué celui-là. Le bouffon là, oui. Non, 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 reste, reste là, reste. Et allez! Ah, ça commence, ça commence. Donc il y en a un ici aussi. On va se libérer le mini raccourci là à travers les tas de poussière. On passe par le plafond, voilà, ça paraît tout à fait logique, à vrai dire. Alors, notre ami, le bouffon. Oups. Non, reste avec nous. Hop, hop. Aïe! Oh, il est parti à gauche. Non, 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 j'allais me refaire avoir. Allez, reste avec nous, toi. On t'affaiblit à fond, on t'affaiblit à fond. Non, 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 non. Où tu vas, où tu vas, où tu vas? Reste là, reste là. Ouh. Ils sont insupportables. Oh là là. Allez, c'est la bonne. C'est la bonne, cette fois tu finis dans l'aspirateur. Voilà. Parfait. Envoie-moi les bouts que tu possèdes. C'est bien. Du coup, à la fin du jeu, on va pouvoir calculer combien d'argent on a. Et je vous rappelle que ça va nous servir pour avoir un rang, donc rang ABC par exemple, et d'avoir un manoir super classe. Alors, j'aimerais bien... Rater. J'aurais bien voulu en capturer un, parce que là, je manque un peu de cœur. Je crois qu'il y a un cœur dans cette salle, attendez. Il y a un bout également, mais il me semble que dans les étagères, là... Non, non. Ok, c'est pas le bout que je veux, là, c'est le cœur. Voilà, il me semblait bien. Oh, il y en a deux. Ah, bah ça va beaucoup mieux d'un coup. Il y en a même un encore derrière. Parfait, on est full vie. Ah, tout de suite, on est mieux. Oh là là, quelques pièces, encore des cœurs. Décidément, il y en a plein dans cette salle. Par contre, le bout, je sais pas où il se cache, il arrête pas de changer de place. Il est là-dedans encore. Non, là, 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 voilà. Hop, 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 hop. Bouché. On t'avait déjà affaibli, je crois, toi. Hein. Non, 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 tu t'enfuis pas. Tu restes avec nous. Reste là. Ne t'enfuis pas. C'est pas vrai. Pourquoi vous allez tous dans ce couloir? Non, mais c'est pas vrai. Oh. Ça y est. Bon, plus que 3, dont un qui est forcément dans la dernière salle. Donc on va dire plus que 2 finalement. Ah. Donc c'est vrai que c'était un jeu assez court, hein. Au final le let's play n'a pas duré si longtemps, je crois que c'est... Oula, 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 oula. Épisode 7 ou 8, je ne sais même plus. Non. J'arrive même pas à savoir, vous avez qu'à voir. C'est peut-être le 9. Enfin bref. C'est vrai que c'était assez court, mais je vous avais prévenu, hein. Le jeu est assez court, le jeu mais... est excellent, je trouve. Il faut savoir qu'il y a un Luigi's Mansion 2 qui va sortir sur 3DS dans bientôt, j'ai envie de vous dire, parce que bon, les bientôt, quand on parle de sortie de jeux vidéo, c'est toujours très fluctuant. Hein. J'aurais adoré vous le faire en let's play, le 2. J'espère que je vous ai donné envie de jouer au 2, si vous avez une 3DS. Mais malheureusement, pour streamer de la 3DS, eh bien, il faut des trucs très chers, ou alors je m'y connais pas assez, parce qu'il n'y a pas encore d'émulateur de 3DS. Ou alors il est pas assez performant, ou alors il bug, ou alors je peux pas le filmer, puis il faut encore trouver le jeu. Enfin, ça m'étonnerait beaucoup, énormément, massivement. Attendez, il me semblait qu'il y a un bout. Ça m'étonnerait énormément, voilà, qu'il y ait un émulateur de 3DS. Hein. Et de toute façon, ça m'intéresse pas. Voilà, il y a un bout ici. Si c'était pour vous le filmer, j'aurais préféré le filmer sur ma 3DS. Parce que je filme sur émulateur quand j'ai pas le choix. Là, y'a rien. Ah,
il est là. Alors toi, Bolchevik, je m'en souviens de toi. Allez, viens vite, viens vite, viens vite. Allez, 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 allez. Pas de bêtises, voilà. Bien. Bon, 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 bon. Je ne sais plus du tout ce qu'on a quand on capture tous les bouts. Je crois qu'on a un gros... un gros diamant comme on avait eu dans la fleur. Mais alors, je ne suis pas sûr. Je remettrai pas ma casquette au feu. Mais arrête de t'appeler Mario, il n'est pas là. Du coup, faut monter. Je crois qu'il est en haut, ce bout. En plus, la dernière salle est en haut, donc ça tombe plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Alors, une petite chose, si je parais fatigué dans cette vidéo, c'est parce que je le suis. Faut savoir qu'il est... enfin, depuis quelques jours... hop, hop, hop. Je live tous les soirs sur Hungercybe. Donc, si vous n'êtes pas au courant, bien... vous pouvez aller sur ma chaîne Twitch quasiment tous les soirs en ce moment. La dernière salle est ici, mais je vais aller chercher le bout qui est à gauche. Et hier, on a fait un live, mais je crois de 6 ou 7 heures, c'est pas possible. Avec un karaoké, enfin ça m'a épuisé si vous n'avez pas été là, mais si vous n'avez pas vu ça, mais regardez la rediffusion. Oula ! Non, 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 oh, je l'ai raté. D'ailleurs, cette histoire de rediffusion, le... enfin, d'habitude je les mets sur YouTube et je crois que je vais arrêter de les mettre sur YouTube. Enfin, plusieurs raisons, je pense que vous en reparlerez, mais peu importe. La rediffusion sera sur Twitch de toute façon. Enfin voilà, c'était la petite minute. Pourquoi j'ai l'air fatigué? Enfin, je sais pas si j'ai l'air fatigué, mais bon, je préfère vous prévenir, quoi. Bon, alors, celui-là, il est où? Il est par là. Voilà. 300 points de vie. Ah non, 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 tu vas te cacher où encore, là? Reste avec nous. Tu vas pas dans le couloir. Tu vas pas dans le couloir. Mario, va chercher les bouts. Oh, les saloperies, quoi. Faut toujours qu'ils aillent dans le couloir. Ils peuvent pas aller dans la salle du téléphone. Là, une grande salle où on a eu bien la place de les capturer. Alors, il va aller où encore? Voilà, il va aller dans la salle de gauche. Alors que je ne peux pas y aller directement. Alors que... voilà, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de ça, faire des allers-retours pour un bout. Un bouton en plus, je crois qu'il s'appelle. Enfin bref. Et du coup, ce matin, pour en revenir un petit peu sur cette histoire de karaoké, on m'a fait chanter du Céline Dion, figurez-vous, devant tout un live, pour gagner des émeraudes pour Hungercybe. Oh là là, il est pénible ce bout. Du coup, ce matin, je me suis réveillé, il n'y avait plus de voix, quoi. J'ai cru que j'allais pas pu tourner. J'allais pas pouvoir tourner, parce que j'ai cru que j'allais pas pu parler français non plus, hein. Après tout. Bon, arrête de te balader, toi, et viens dans le sac. Il permet... oh là 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 là, mais c'est un gros pénible, quoi. Allez, j'espère que le dernier bout va pas faire pareil. Hein. Coucou, c'est nous. Non, tu t'en vas pas, hein. Ah non, 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 tu restes avec nous, tu restes avec nous. Regarde, regarde, regarde. Et le voilà parti. Il y avait un cœur quelque part, je crois qu'il a disparu. Est-ce que mon diamant il est revenu là? Que dalle, je l'ai perdu à tout jamais. Ouvre la porte, Luigi, ouvre la porte. Alors on me demande aussi quel let's play pourrait remplacer Luigi. Alors ça c'est une très bonne question. On m'a demandé Mario Sunshine. C'est pas que je suis contre, mais je suis pas pour. Voilà, j'ai... je ne sais pas. Bon, je sais pas quoi faire, ce bout. Ok, il va retourner là-bas. Je suis pas à 100% pour, j'aime beaucoup ce jeu, mais... je sais pas. Je sais pas trop comment ça peut se let's player à Mario Sunshine, quoi, parce que... c'est quand même assez spécial à faire un let's play dessus. Enfin, ça se laisse réfléchir, mais bon. C'est vrai que j'avais envie de faire un jeu que j'ai sur... enfin, que j'ai pas... enfin, j'ai un jeu PS3. Enfin, c'est une version HD d'un jeu PS2. Voilà, je vais y arriver. Donc, je vous en parle pas trop, même si on en a déjà parlé une fois, je crois, mais bon. Vu que je ne sais pas encore, je préfère pas vous donner de faux espoirs si vous l'espériez. En plus, il y a FF10-2 qui va commencer dans quelques jours. Mais avec cette histoire d'Hungercybe, toujours, j'ai un peu de fatigue qui s'accumule. J'ai pas forcément le temps de faire des vidéos comme je voudrais. Enfin, comme vous voudriez, surtout, parce que bon. Qu'est-ce que je fais, là? Non, du coup, je l'ai capturé, je vais n'importe où, là. Bon, on va à la dernière salle. Et on arrête de parler et de dire de n'importe quoi.
Voilà. Du coup, il sait. Enfin, je termine pour dire que pendant Hunger Sable, il va sûrement pas y avoir de nouveau let's play à part FF10-2. Et qu'ensuite, on commencera sûrement quelque chose. En plus, j'aimerais bien, moi. Le problème que j'ai aussi, c'est de commencer un let's play et de m'apercevoir. Enfin, d'avoir l'annonce de la sortie de Pikmin 3. Ça ferait 3 let's play en même temps, et là, c'est clairement pas gérable. Enfin, bref. Allez, on arrête de parler de tout ça, et on y va. Studio de l'artiste. Vous bridez mon inspiration, le travail de mon après-vie. Oui, qu'est-ce qui se passe, mon petit fantôme? Tu n'es pas content. Vilain Béotien. Vous êtes aveugle à la beauté, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Je vais vous montrer l'apogée de mon art, le summum. Ok, il va donner vie à tous ces tableaux. Et là, nous, on lui met le guac parce qu'on prend les 3 en même temps. Oh! Non, 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 non. Recule, 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 Luigi. On en a deux, on en a deux. C'est vrai qu'avoir les 3 d'un coup, c'est une bonne astuce, mais c'est pas évident, évident. Ouh! Tu m'avais pas eu. Voilà. Oh, les gros, là. Oh, je les sens mal, ceux-là. Oh, je les ai tous ratés. 2, 2, non, 1. Oh, il va faire un tremblement de terre. Oh. Toi. Reste pas là, Luigi, reste pas là, reste pas là, reste pas là, reste pas là. Oh, c'est bien. On va esquiver tout le jeu, je pense. J'aimerais bien avoir les deux d'un coup, là, mais bon. J'en ai un, j'en ai un. J'en ai un, j'en ai un, j'en ai un, j'en ai un. On va falloir se faire tous les tableaux comme ça. Après, j'imagine qu'on pourra attaquer le fantôme en lui-même. Enfin, le peintre, l'artiste. Oh là, il va vite, lui. Qu'est-ce qu'il lui prend? Tiens, calme ta joie. Hop! Ah! On se sent pas bien avec la glace. Hein. Regardez comment je vais l'avoir, les 3, là. Les 3 trap-trap. Bim! Oh! Ah, j'en ai raté un. Hein. Comment ça, j'en ai raté un? Il va m'attraper, il va m'attraper. Non! En plus, il me fait perdre l'argent, ce salaud. Oh là, oh là, oh là. Vite, 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 voilà. Attention, attention. Voilà. Non, raté, raté, complètement échoué, complètement double échoué. Oh tiens, hop là. Ce qu'il y a, c'est que quand on les tue comme ça, ils laissent pas leur cœur pour nous régénérer. Et même pas lui non plus. Oh, des masques et des fourchettes. Oh, oh ce guac, oh ce guac que je leur ai mis, qui m'ont mis juste derrière. Oh, puis ils ont récupéré leur masque, t'sais. Genre je leur déténèbre quoi. Hop, voilà. Alors des fantômes bouffent tout. Hop, non, trop raté, trop déçu. Parce qu'après ils sont tout mélangés. Voilà, on est au moins 2. Non, glisse pas. Oh là là, Luigi, Luigi, mais regarde où tu marches. Là, celui-là, on le finit, on le finit, on le finit, on le finit. Luigi! Luigi, ramasse tes déchets. Allez, on en finit un. Voilà. Toi aussi. Et c'est bon. Allez, le dernier. Tu t'arrêtes de manger des bananes fantômes, toi. C'est des bananes qui sont en colère et qui veulent rester après leur mort dans le monde des vivants. Oh, puis vous, ça va être galère encore, non? Oh là là! Oh, comment je vais vous avoir? Et de 1! Ok. Et de 0. Et de perdu. Et de 2! Et de... Oh là là, Luigi! Prends le cœur, prends le cœur. Voilà. Laisse ta torche vers le haut. Et aspire! C'est bien! Mes créations! Mais même si je trépasse, mon œuvre survivra. L'art est ainsi fait, l'art est éternel. Vous dites qu'une seule de mes créations a survécu. Mais cela ne peut être. Ah, l'artiste est blessé. Et c'est parti! Là, il est pas content, il est pas content, on récupère toutes ces petites pépères.
On lui met la guac, on lui met la guac. On va le finir. Pour la postérité, on va le finir tout d'un coup. Magnifique. Il a laissé un coffre en plus. C'est superbe. Alors avant de ramasser la clé, qui je crois coupe, enfin me ramène au labo. Je crois que j'aimerais bien capturer le bout si j'y arrive. C'est vrai qu'on n'a pas regardé s'il y avait des fantômes bleus ici. Boutique. Tiens, je te connaissais pas toi. On peut savoir où tu vas. Est-ce qu'on peut savoir seulement où tu vas? Ok, j'en étais sûr. Eh, vous avez vu dans le fond, il y a un buste. C'est le fantôme... Enfin, c'est la tête du fantôme athlète qu'on a eu il y a longtemps maintenant. Allez, reste là, toi. Tant que tu t'enfuis pas dans la salle à gauche, ça me va. Parce que si c'est à gauche, faut faire tout le tour. Reste là. Allez, viens là. Viens là, t'as aucune chance, de toute façon tu vas finir dans mon sac aspirateur. C'est fermé la boutique, lol. Ah là là, non mais où tu vas là, t'as voulu t'échapper comme ça, t'as voulu t'échapper, je suis trop rapide pour toi, vas-y reste là. Mmh. Allez, il reste plus que 27 points de vie. C'est pas vrai. Oui, et là c'est la bonne, c'est la dernière, t'es fiti. Non, troll. Ok, cette fois, si c'est pas fini, je mange ma casquette. Voilà, 50. Allez, regardez-moi ce diamant. Regardez-moi ce diamant. J'ai pas envie de lire le truc, j'ai pas envie que mon diamant disparaisse. Énorme. Et voilà, pour avoir capturé 50 bouts. Et on prend la clé qui a complètement disparu. La clé qui a disparu, très bien. Non, le cœur, tu fais du bruit, pas possible. Reviens là. Peut-être sortir de la salle. Faut peut-être juste relancer la sauvegarde, ça m'étonnerait qu'à moitié. Rendez-moi cette clé. Rendez-moi cette clé. Bah alors la clé. T'es gentil mais... Une clé peut disparaître comme ça, tu crois? Ça m'étonnerait beaucoup. Ce qu'on va faire... Va falloir que je me retape tout le chemin. Non. Ah je vous jure. Bah j'ai sauvegardé de toute façon là. Regardez, on va recommencer. On va faire tout le chemin pour pas le déranger. Ça se trouve il a décrété que j'avais gagné la... Bon, je sais pas. Où vas-tu, Luigi? Je vais au manoir, je vais récupérer la clé qui a bugué. Mais il me semble que si j'avais pris la clé, je serais revenu au labo. Il aurait fallu que je remonte pour le bout, mais finalement, je remonte pour la clé. Donc, au final, c'est à peu près pareil. C'est super sympa. Voilà, on se fait une balade. On regarde encore une fois notre manoir. Enfin, notre manoir, non, c'est pas le nôtre, celui-ci. Mais à mon avis, on va en avoir un super beau, parce que là, on a eu encore un gros diamant. Et je pense que cette fois, on est prêt pour aller sauver Mario. Et ça va encore être coton, hein, de sauvage de Mario, parce que je me souviens que j'étais assez mauvais pour le boss final. Non, et j'en étais sûr, parce que je vais faire mon malin, et je me prends la chauve-souris. Bon. Et voilà la clé. Une magnifique clé en or. Qui ouvre la salle du bas. Voilà. Et ça me ramène pas du tout au labo, donc j'ai perdu mon temps pour que dalle. Bon bah c'est pas grave. Cette fois, on se rend à la fin du jeu. Le boss final. Hop. On prend le raccourci donc à faire. Je devrais peut-être récupérer 100% de ma vie parce que si je dis que je galère... Tiens, on va sauvegarder. Je sais pas du tout combien de temps va durer l'épisode par contre. Hein, parce que si j'y arrive pas, on va avoir plein d'essais. Ça va être galère. T'as pas un cœur là-dedans? Ah, parfait. Allez, voilà.
Ah. Le manoir est nettoyé de tous ses fantômes, sauf du plus terrifiant. Je sais pas si vous savez quel boss c'est. On en a la voyante nous en avait parlé un petit peu. Je ne vais même pas vous le redire parce que je suis comme ça, moi. Hop hop hop, raccourci plafonal. Qui ça veut rien dire, je crois. Plafonnier, sinon. Ou plafonnement. Alors ça me saoule par contre. Faut pas qu'ils explosent. Voilà. Bon. Alors, on voit rien du tout dans ce couloir parce que la caméra tourne et tourne. Et c'est parti. Alors, attendez. Parce qu'il y a des choses. Je sais qu'il y a. Là, c'est là où on était dans le puits. Mais je crois qu'on peut avoir un dernier truc. Ok, il y a un petit peu d'argent encore, hein. Récupérons tout ça. Oh, magnifique. Magnifique. Ta-t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 a
Ok, on l'a déjà pas mal affaibli. J'aimerais bien le retourner parce que là je vais me prendre le mur et que je risque de... Ah non, bah tiens. Oh là là, oh là là. Ça va, j'ai pas perdu trop de vie. C'est bon, voilà, j'ai un peu plus de place. Pas de panique. Vas-y, balance. Non, balance les boules de pique. Boules de pique. Voilà. Alors, faut pas qu'on se la prenne, faut juste qu'on aspire. J'en ai une, vas-y. Ha ha! Et c'est parti. Allez, on est à combien là? Ok, on est à peu près à la moitié. Non, c'est 250 la moitié, dis pas de n'importe quoi. Ah, je me suis fait glacer! On est presque à la moitié. Ok, on est presque à la moitié, mais on est aussi presque à la moitié de notre vie. Ça, c'est pas bon. Ok, il balance des pics. Voilà, celui-là, elle est morte. Ha! Oh là, je me suis... Oh non, j'ai pris l'onde de choc. Attention à la glace. Attention à la glace. Et re-attention à la glace. Ok, on a chopé le truc. Demi-tour pour avoir un peu plus de place. Oh là, regardez, il a mis sa tête à l'envers. Il a mis sa tête à l'envers. Oh là 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 là. Il détruit tout sur son passage. Ok, c'est bon. Faut pas qu'on meure, faut pas qu'on meure. Le bout, le bout, le bout. C'est bon. Ok, le prochain coup, on l'a. Mets pas ta tête à l'envers, on a vu. Il a mis sa tête à l'envers. Cours. Cours plus vite que la musique. Cours plus vite. Il a fait tomber un champignon empoisonné. Ok, on l'a. On le finit. Non. C'est bon. C'est fini pour toi, c'est fini. Oui, c'est bon. Oh, on a récupéré ça. Je ne savais pas qu'on avait ça. Ah, c'est bon, on l'a eu d'un seul coup, mais... Eh, on avait 34 points de vie. 34, c'était pas énorme, là. Ah, bah voilà. Luigi. Tu as réussi, vraiment remarquable, fiston. J'ai peut-être fourni ce super Victoblast 3000, mais c'est toi qui as tout fait. Je suis tellement fier de toi. Allons, reprends-toi. Catastrophe, ça veut rien dire. Catastrophe. Tu as trouvé le roi Boo. Tu dis qu'il a plongé le... Ah, dans un tableau de Bowser. Il t'a même craché du feu. C'est la première fois que j'entends une histoire pareille. Aussi incroyable. Enfin, ça veut dire pareil. Moi, je vous finis les phrases à ma façon. Je m'en fous. Et pourtant, j'ai 60 ans de métier. T'as 60 ans de métier, toi? On dirait que t'as... Oh là là. Mine de rien, je me rappelle encore que je tremblais à la simple pensée d'un fantôme. J'étais jeune. Bon, t'arrêtes de parler. Je pouvais rester enfermé à étudier tel ou tel fantôme pendant des semaines. Oh pardon, je me perds dans mes souvenirs, oui, exactement. Bref, récupère le tableau de ton frère et ramène-le au labo. Le pauvre petit gars s'est endormi. Il a dû s'effondrer de fatigue et de soulagement en te voyant arriver. Je vais configurer la machine pour qu'elle ramène ton frère. Je vous attends tous les deux. Ok. Eh bien maintenant, on n'a plus qu'à faire fonctionner la machine à l'envers, je crois, pour récupérer notre Mario. Oh yeah! Regardez de s'envoyer. S'en aller comme ça avec son petit tableau. Tu vas en attraper une migraine. Toutes ces aventures n'auront duré qu'une nuit. Ah ouais, c'est vrai que ça a duré qu'une nuit? Bon, ça a duré environ 3 semaines hein, pour vous, enfin je sais pas. Le manoir construit par Cebu a disparu cette nuit. Mais le trésor semble bien réel. Il ne m'intéresse pas, tu peux le garder. Et en faire ce que bon te semble. Assez parlé d'argent, tu as raison. Occupons-nous donc de trouver ton frère. La priorité est bien sûr de sauver ton frère, mais nous devons d'abord éliminer ces fantômes. D'accord. On est obligé de vider notre aspirateur d'abord. Oh là là, regardez. Il y a la grosse tête de Bowser. Et le bout, le roi bout dedans. On va gagner plein d'argent. Je sais pas combien ça vaut son... le rubis qu'il avait sur la tête, le roi bout. Les fantômes sont invisibles. Nous devons donc les presser pour les rendre visibles.
fait pas 4 fois qu'il nous le dit, c'est ça qui est cool. Et les transformer en équipe. Machin, machin, voilà. Alors, j'ai pas vu le premier tableau parce que j'avais la tête tournée. À notre ami le pot, après on a la débile à l'envers là. Le peintre. Ah, celui qui avait peur de tout le monde et qui était dans le noir. Les espèces de jouets. Et le glagla. Je parie des euros contre des gâteaux que personne n'a d'aussi joli tableau. Oh là là, Céline. Zone 4. Alors, l'oncle Grimlimlimli, Jarvis, Vincent Van Gogh, lol, Suzette, Soldat Mécanique, Sir Watson, Weston, et le roi Boo. 23 fantômes au total. Et voilà notre argent. Alors attention, combien on va avoir? Je pense que les gros diamants jaunes valent très très cher. Je crois qu'ils valent 20 000 le diamant. Et je sais pas aussi pour le diamant rouge. On en a eu un seul de diamant rouge. Ah ouais, deux diamants rouges, 10 000. C'est pourri en fait. Attendez. Oh, vous savez pas la bêtise qu'on a fait? Enfin, que j'ai faite et que vous avez peut-être gueulé. C'est le deuxième diamant jaune. Je l'ai pas récupéré vu que j'ai... Ah, je suis un bolos. Bon. Écoutez, c'est pas... Oh mon dieu. Oh, that fail. D'accord. Bon, il valait bien 20 000 chacun. Sauf que je l'ai oublié le deuxième. Mais non. Mais si. Mais je peux pas le récupérer du coup. Ok, bah je suis foutu. J'aurais pas mes 20 000. Bon, écoutez. Je sauvegarde. Alors. Le pauvre Mario, le pauvre Mario. Oh, il se fait compresser, il se fait machine à la veillée. Non mais est-ce que je suis encore sur mon fail du diamant là? On va terminer sur un fail assez épique quand même. Mario? Quoi? Oh là là, bah il a pris cher. Oh bah d'accord. Oh bah il est content. Il pleure de joie, il pleure de rire. Ouais. Pauvre Mario. Ah là là. Et c'est parti pour le générique. Je me souviens pas du tout. Ah mais du coup on a fini sur un fail mais complètement épique quoi, parce que j'ai complètement zappé ce truc. J'imagine que certains ont dit enfin vous avez dû gueuler en fait, parce que si j'ai... Je suis bête en fait. Parce que forcément si j'ai annulé la sauvegarde, enfin j'ai pas annulé la sauvegarde, j'ai repris avant la sauvegarde, sauf que le diamant je l'ai récupéré après. Quand je vous dis que je suis fatigué, hein. C'est pas des bêtises. Oh non mais je vous jure. Bon bah en tout cas c'est pas grave, je sais pas du tout combien il faut d'argent pour le rang A, mais bon, on va dire qu'on l'a eu quand même, si parce que je l'ai récupéré, c'est pas comme si je l'avais raté. Enfin je comprends quoi, je l'ai raté mais je l'ai eu, enfin bon, j'essaye de me rattraper comme je peux. Mais bon. Bon on a fini ce let's play du coup, comme je vous l'ai dit, c'est assez court, mais c'était assez marrant, moi j'ai trouvé que... Enfin j'adore ce jeu, moi j'adore justement la récolte d'argent, je trouve ça super fun. J'ai raté pas mal de fantômes bleus aussi, mais c'est pas bien grave. Mais bon, les fails, maintenant, je pense que c'est assez une marque de fabrique. Donc, je suis content que vous ayez suivi ce let's play, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouvera très vite
pour FF10-2, pour un nouveau let's play. Alors ça, ce sera donc après Hunger Sable, je le répète, hein, si vous suivez à moitié. Mais si vous suivez à moitié, je pense que vous ne m'écoutez même plus là, parce que vous avez coupé la vidéo. Mais après tout, c'est pas grave. Et en plus, je ne sais plus quoi dire quand je dis n'importe quoi. Ah. Et du coup, ouais, j'aimerais beaucoup jouer aux deux, moi, sur 3DS. Et vous le faire en let's play, ce serait génial, mais c'est juste impossible. Je vais pas m'amuser à filmer et vous proposer ça, ce serait juste horrible. Mais bon, dans quelques années, on aura quelque chose pour filmer de la 3DS. Bon, alors, du coup, après ce générique, on va voir quel rang on aura obtenu avec notre argent. Et on va aussi avoir le droit... ça y est ? Ouais, je crois que c'est maintenant. La question des fantômes était réglée. Le professeur Catastrophe était si content de retrouver tous ses tableaux qu'il utilisa le trésor de Luigi pour lui construire une nouvelle maison. Alors attention. Faut que j'appuie. Bienvenue dans le nouveau manoir de Luigi. Rang B. Voilà. Rang B parce que je suis un bolos. Eh, pour un rang B, c'est pas mal. Oh merde, mais c'est... La question que je me pose, c'est est-ce que le diamant aurait coûté beaucoup dans la différence? Est-ce que j'aurais eu... Parce qu'en fait, je me demande en fait... Attendez, regardez, je vais vous montrer. On va aller... Ouais, on va peut-être aller là, enfin, je vais vous expliquer. Parce que maintenant qu'on a terminé le jeu, on peut refaire le jeu en mode miroir, dans ce qu'il appelle un manoir caché, en fait. Enfin, c'est un manoir caché, je sais pas pourquoi c'est un manoir caché, c'est juste le même manoir, mais en mode miroir, c'est d'ailleurs assez perturbant, quand on connaît bien le jeu, de tout avoir inversé. Mais je sais qu'il y a plus d'argent dans ce manoir. Donc, peut-être, en fait, que le rang A est impossible à avoir dans la première partie, et ça... Vous pourrez peut-être me le confirmer, parce que j'ai un vieux souvenir comme quoi le rang A, on l'a avec 170 millions. Je me trompe peut-être largement, hein. Mais c'est pas impossible. Mais bon, peu importe, après tout, au final, dans la postérité, on l'aura eu, ce diamant jaune. Et notre manoir en rang B, quand même sacrément classe. Je sais pas si on peut aller le voir, tenez, on va essayer, avant de se quitter. Voilà, où vas-tu Luigi? Le manoir caché, salle d'entraînement, galerie. Voilà, le manoir caché c'est vraiment le même mais en mode miroir. On recommence l'aventure exactement identique sauf que il y a plus d'argent dans les tiroirs. Enfin c'est ce qui me semble, hein, après tout je me trompe peut-être. On va aller dans la galerie car je ne voulais jamais montrer. Voici la galerie, donc en fait c'est juste nos tableaux, simplement, hein, y a pas genre on regarde un tableau. Voilà. C'est pas super intéressant, c'est pour ça que je l'ai jamais super montré. Donc c'est pour ça que je vous le montre super maintenant. On a aussi notre maison, comme ça. Qui quand même, je suis désolé, hein, pour un rang B, est pas mal du tout. Mais est-ce qu'avec 20 millions on avait le rang A? Ça, c'est une question que je me pose. Enfin bon, écoutez, c'est pas comme si vous n'avez pas l'habitude des fails. Bon, là, on a tout. On peut vigner tous nos tableaux. Et là, on a le super tableau de... du roi Boo et de Bowser, le numéro 23. Voilà, et quand on revient là, bah, on a nos nouveaux tableaux. Enfin, nos autres tableaux. Voilà, on peut tous les regarder, mais bon, on les a déjà vus une fois. Hein. Voilà. Donc, je pense que c'est ici qu'on va se laisser. Je vous remercie encore une fois d'avoir vu ce let's play. Désolé pour ce fail à la fin, mais bon, je vous dis... Pff. On peut appeler Mario ici? Non, on peut pas appeler Mario. Bon, c'est pas grave. Eh, ça se trouve, je peux récupérer mon diamant. Ah bah non, je peux pas. Non, mais c'est fini, quoi. J'allais dire, je peux le récupérer en remontant, mais non, allez. Arrête, trêve de galéjade. Un fail vaut mieux que deux, tu l'auras. Ou deux fails, je sais plus. Non, mais je vais arrêter là, ce massacre. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, pour un autre let's play, pour une autre vie, pour autre chose, pour quelque chose d'autre, je ne sais pas. Allez, à bientôt tout le monde, c'était Super Brioche, salut.